Ça va nous permettre de meubler cette heure. Je suis d'accord. Et derrière, tu vas enchaîner. Bah, tu peux le présenter a priori aussi, peut-être. Voilà. Derrière, tu vas enchaîner sur, a priori, du Mario Maker. Ouais, on va création créer du Mario de map pour cette C. Challenge. Sachant que la dernière fois qu'on a fait Mario Maker, c'était pas Kenny et Xai. C'était Zulu. Super Zulu. C'était donc, super Zulu. Vous allez avoir des idées très différentes de Zulu, je pense. Donc, ouais, ça risque d'être intéressant. Parce qu'en gros, on a le. Xai, c'est le nazisme. Sur la création de map. Arrête-toi. Je vous laisse faites faire des faites des hotshots avec cette petite phrase. Vous pouvez faire une bonne petite vidéo Twitter. Un truc qui boucle. Xari, c'est le nazisme. Xari, c'est le nazisme. Je suis désolé. Xari, c'est le nazisme. C'est sorti comme ça, ça arrive. Pas de soucis. Coucou Xari, hein, du coup. Merveilleux. Pas de soucis, il va ça être content de l'apprendre. Ça beaucoup par ici. Donc Xari, c'est le nazisme. Ouais, c'est le nazisme sur le map. C'est-à-dire qu'en gros, je vais tenter une idée, je vais faire oh, j'ai une idée. Et moi, c'est la déco, tu vois. Donc je vais faire oh, c'est joli comme ça et tout. On pourrait mettre un petit truc ici, c'est mignon et tout. Il va faire non. On va en mettre 28 ici, tu vois. Genre, ça va être des lasers décollés comme ça. Et après, on fait. On va peut-être équilibrer parce que c'est trop dur. C'est à chaque fois comme ça qu'on a construit les maps. On avait une idée, un décor. Je partais sur une idée à la con. Et puis après, il me fait ah oh ouais, vas-y, viens, on met 20 petits trucs qui partent sur son idée. Et après, on fait. On va peut-être équilibrer. Sinon, ça n'a aucun sens, ouais, ça, évidemment. Tu connais Seven Wonders Duel ou pas? Oui, bah oui, bien sûr que oui. Ouais, t'attends l'air pas du tout, mais en fait si, je connais bien, même puisque bah, grâce à toi, j'ai joué chez toi. Évidemment. Et j'ai vaincu parce que je joue une stratégie de merde qui est la stratégie militaire. Et enfin, j'ai vaincu une ou deux fois sur bien 4-5 games parce que ta femme m'a aussi défoncé la gueule. Et vaincu, ça fait énormément de fessiers. Voilà. Ça fait énormément de chaises. C'est vrai. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre comme ça. Tiens, on va jarter toutes les merdes, le micro, etc. Vas-y, tu peux les tège. Non. On va mettre en place un Seven Wonders Duel. Et je vais vous montrer son extension, première extension du jeu Seven Wonders Duel. Seven Wonders Duel qui est sans doute le meilleur jeu de 2015. Et Seven Wonders Duel Panthéon qui est sans doute la meilleure extension de 2016. C'est pas mal. Voilà, ça sonne bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On prend le paquet âge 1, on mélange et on va retirer 3 cartes. Tu dis ça à moi, mais voilà. Je ne sais pas de quoi tu parles. Non, mais je vous le dis. On mélange et prenez le paquet âge 1. Prenez le paquet de l'âge 1 chez vous. Chez vous, prenez le paquet âge 1 et on mélange. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un Wonders Duel. Le principe, c'est que on va devoir construire des bâtiments dans sa ville. C'est voilà. Et des nous, merveilles. Ouais, voilà. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais te dévoiler. Ça, merci à toi pour cet abonnement Rambo 0110. Je vais te dévoiler 4 merveilles. Merci à toi, pote. Je vais te dévoiler 4 super merveilles et tu vas en choisir une car tu seras le premier joueur. On dévoile le Circus Maximus, le mausolée, la statue de Zeus et enfin une nouvelle merveille, le théâtre divin. Eh bien écoute, le pouvoir du théâtre divin, c'est de te permettre d'invoquer gratuitement un dieu. Eh ben je vais me laisser tenter par le théâtre divin. Je suis là pour les nouveautés, on est là pour jouer, nous sommes okay joueurs. Ici voici merde, ici la carte. Hop, hop. Il y a pas de souce. Hop. Il y a pas de souce. Va falloir que tu descendes un petit peu ce cadre car il va y avoir des choses ici, je vais vous les montrer dans quelques instants. Ouais, il m'a saoulé. Moi je vais en choisir ça. Deux. Donc je vais prendre ça. Et je te laisse prendre les tiennes. Et je vais choisir la dernière puisque je n'ai pas le choix. C'est donc le mausolée, une très bonne ouais carte qui fait gagner toutes les parties. On du continue. Game. C'est parti. Alors on en a combien des merveilles? Avec 4 nouvelles et tu vas cette fois-ci c'est moi qui vais choisir la première. Tu vas prendre 2 et puis je vais prendre la dernière. Il reste le Pirée, le Sphinx, le Temple d'Artémis et la Grande Bibliothèque. Je vais partir sur. Pardon. Oui, mais reste calme par contre. Je vais en prendre 12. À tout moment. Je vais partir sur le Pirée. Ok. Voilà. Bah écoute mon bro. Je vous explique pas les pouvoirs des merveilles parce que déjà ce serait trop long à vous expliquer et parce que je vais expliquer au fur et à mesure qu'on voilà va avancer dans la game. Ici, tu prends ça. C'est réglé. Je pars sur le Sphinx. Ok. Bon, on a choisi nos merveilles. Donc au début du jeu, chacun choisit 4 merveilles. Ça, c'est la première étape. Fort bien. Ensuite,
On va choisir, on va prendre des points, on va prendre des pions verts. Circulaires. Ah, je veux des pions verts. Ah, tu non, veux des pions verts, tu aimes les pions verts, c'est ta passion. Mais ce n'est pas pour moi au début. Toi-même, tu es un pion vert, tu ne le sais pas encore, mais tu en es un. Attends, je vais regarder. Tu peux sortir tous les jetons qui sont là-dedans, tu peux les sortir. On va en avoir besoin. Ok. Ok. Je vais te sortir tout ça. On les retourne, évidemment, on les met face cachée. Et tu vas en choisir, au hasard, tu vas en choisir 5. 5, mais c'est énorme! Seven Wonders Duel, comme son nom l'indique, est un jeu qui ne se joue qu'à deux, les amis. C'est un jeu de duel. De duel. Voilà. Alors, patiente, je t'en supplie. Alors, je vais prendre celui-là. Oui. Je vais arrêter de faire le relou, on va peut-être les prendre. Celui-là. Ouais. Oui. Ah! Lui. Oui. Voilà. Lui est tu les mets face visible, ici. Hop. Alors, par contre. Ah, il faut peut-être le mettre dans le bon sens. Il faut le mettre dans ce sens-là. C'est important. Ok, vas-y, je te laisse les mettre là. Ensuite, on va placer le pion de combat qui se trouve au centre. Nice. À chaque fois qu'on va prendre, attends, je vais le mettre genre. Voilà, on va se mettre comme ça, c'est ok. En fait, à chaque fois qu'on va prendre un point militaire, on va faire avancer ce pion vers l'adversaire. À chaque fois, je vais prendre un point militaire. À chaque fois, Kenny va prendre des points militaires. Si on arrive là, on a gagné. C'est-à-dire, si Kenny arrive là, il me bat, point, fin de l'histoire. Si j'arrive là, j'ai gagné, on arrête la partie. D'accord ? Ça, c'est la victoire militaire. Le deuxième type de victoire, c'est la victoire scientifique. La victoire scientifique, il faut avoir des symboles comme celui-ci, symbole de la loi, donc soit sur des cartes vertes, soit sur ce pion. Il faut en avoir 6 différents. Si tu as 6 symboles différents, victoire scientifique, la partie s'arrête. Le troisième type de victoire, c'est victoire par points. C'est-à-dire qu'on va marquer des points avec l'ensemble des cartes qu'on va poser. D'accord. Et grâce à ces points, on peut remporter la partie. Super. Voilà comment se met en place un Seven Wonders Duel. Bon, ça c'est pour le début. Ici, on a des jetons un petit peu différents qui sont les jetons de la version Panthéon. Ah. On va prendre chacun 7 pièces d'or. Donc tu peux prendre 7 pièces d'or, je t'en supplie. D'accord, je les prends voilà. De quelle manière? En 2, 2, 1. Tu prends 3, 3, 1. 3, 3, 1, c'est bien. 3, 3, 1. Ouais. Ah, c'est un 6. Voilà. Ah, ce sont des 3, 3, 1, ce ne sont pas des pièces de 2. Pourquoi ils ont fait des pièces de 3? Voilà. C'est con ça. Hop, et on y va. Mais c'est normal, c'est pour faire 7. Mais ça m'explique. Ah, ils ont fait des pièces de 3 parce qu'il y a plein de trucs qui coûtent 3. Okay. Il y a plein de trucs qui coûtent 1, qui coûtent 3, et 6, c'est juste pour faire des grosses pièces. Parce que s'ils ont vraiment fait des pièces de 3 juste pour le début de la partie, je me dis, vous êtes complètement cons, les gars. Oui, non, ça n'a pas de sens. Comment ça va fonctionner? Alors, c'est très simple. Moi, je vais récupérer tout ça. La différence entre Seven Wonders Duel et Seven Wonders Duel Panthéon, c'est que le Panthéon te rajoute des divinités. Oh ouais, je veux savoir ce que c'est, ça. Ça rajoute la mythologie. Alors. Oui. Voici la boîte. C'est Wonders Duel Panthéon. Alors, la boîte de base, c'est ça. L'extension, c'est ça. Ok. Comment ça marche? On va l'ouvrir. Voilà. Tu m'en supplies ou pas? Je t'en supplie. Tu m'en supplies. Je t'en supplie. Petit livret de règles qui n'explique pas l'ensemble des règles du jeu. Super. Ça explique juste les spécificités de cette extension, la mise en place. Et les pouvoirs des différents dieux. Donc avec ça, tu ne peux pas jouer. Il n'y a pas énormément de pages. Hein, il y a quoi? 5 pages. Mais vous avez vu la taille du bouquin. Enfin, ça se lit très très vite. Hein, voilà, donc avec l'extension, tu ne peux pas jouer, c'est ça? Ça, c'est lu en 5-10 minutes. Hein, tu ne peux pas jouer avec ça, c'est ça? Tout seul, tu ne peux pas jouer. C'est une extension. Il vous faut le jeu de base pour jouer à Seven Wonders Duel Panthéon. C'est pas écrit? Pourtant, je te le dis, il faut le jeu de base. Ouais, bah, si. Non. Si. Si. Attends, ça va être écrit au dos de la boîte. Regarde. Extension. Ouais, ok. Ceci est une extension du jeu Seven Wonders Duel. Le jeu de base est nécessaire pour en jouer. Je te crois. Voilà, je me doute que c'était écrit. C'était juste que je l'avais pas vu sur la première de couverture. Je me pas comment ça s'appelle. La première de couverture. Non, mais je sais pas comment ça s'appelle. La boîte. Je pense. Sur la boîte, du coup. Voilà. Sur le devant de la boîte, je l'avais pas vu. Je me suis dit, merde. Moi, j'arrive dans un magasin, je fais. Oh, ça a l'air trop bien. Il y a des chiens, des Nasus et des. Il y a des Nasus, Anubis. Et un bon pic Nasus. Et donc, je prends ça. Et je fais, oh, je veux ça, moi. Et j'entends, je fais, oh. Quel dommage. Je vais peut-être acheter ça. Bon, après, ça va. C'est mon Wonders Duel, ça doit coûter 25 balles. Quelque chose comme ça. C'est pas cher. En vrai, ça va. L'extension, elle doit coûter 20 balles. Voilà.
Ça vaut le coup parce qu'en vrai c'est. En vrai c'est ok. Ah, il est mort de rire en régie, peut-être. Un mot. Bonne année, en espérant que vous nous ferez kiffer cette année aussi. Va mal. Oh, merci mon pote. Merci. C'est sympa. Bon, j'ai pas de voix encore pour voici crier, Seven Wonders Duel Panthéon. Tu sais, je l'annonce comme ça, tu sais. Voici Seven Wonders Duel Panthéon. Enfin, en fait, bonne journée. Voilà, merci à tous. Xaris, c'est non. Le nazisme. Xaris, c'est le nazisme. Xaris, c'est le nazisme. Arrêtez ça, le pauvre. Non, Xaris, c'est le nazisme. Non, c'est trop triste. Je sais pas qui a fait ce montage, mais c'est exceptionnel. Non mais le putain. En plus mais coucou Zay, en plus je suis sûr vu les points qu'il y avait non, en bas toi, je suis sûr que c'est un délire genre il devait jouer à mot de passe ou un truc comme ça. C'est Time's Up. Ah oui, oui. Et du et coup en il faisait fait, Hitler, il a hein. échangé Lénine donc dictateur. En vrai il voulait faire un dictateur tu sais genre comme ça sauf que malheureusement il y avait tu vois ce que je veux dire genre c'est terrible. Terrible. Cette partie du plateau se met au bout de la première. Changement de caméra, attention. Magie. C'est cool. Oh, mais c'est bien posé en fait. Hein, c'est cool ou c'est pas cool? Voilà. Normalement, ça se fixe de type parfaitement. Voilà, donc c'est plutôt cool. Donc bonne idée. Déjà, bien joué à eux. Pourquoi il y a des petites excroissances ici? Pourquoi il y a des petits golds ici? Je vous explique. C'est une bonne question, Max. Eh ben, laisse-moi te répondre. Parce qu'en fait, on va devoir poser des trucs un petit peu plus loin. Voilà en quoi consiste Seven Wonders Duel Panthéon. Attention. Ouais, tu peux les mettre comme tu veux, c'est toi qui. Voilà. Ce sont des cartes un petit peu plus grandes, elles ont un format différent des autres cartes. Et il y a différents types de panthéons. Alors, il y a le panthéon militaire, les cartes rouges. Le panthéon des merveilles, les cartes blanches. Le panthéon le vert scientifique. Le panthéon monétaire. Voilà, les banquiers. Et le panthéon des points de victoire. Voilà. D'accord. Qui est voilà, des constructeurs, des bâtisseurs, on va dire. De l'Olympe. Voilà. Avec voilà. La flamme de l'Olympe. Exactement, on va dire les bâtisseurs. Alors, on va les mettre ensemble. Parce que le but, c'est de les laisser. C'est une mythologie réelle, entre guillemets. Genre, réelle. Vraiment, parce que j'ai vu quelques prénoms. Voilà, il y a. Alors, je vais pouvoir te dire les différentes mythologies qu'il y a, puisqu'elles sont écrites ici. Alors, il y a du grec. Alors. Il y a du grec, j'ai vu, il y a du grec. Alors, il y a du grec, oui, mais pas seulement. Ça. Alors, nous avons le panthéon romain, le panthéon phénicien, le panthéon mésopotamien, le panthéon égyptien, le panthéon grec, et je pense qu'on a fait le tour. C'est pas mal, j'aime bien. Alors, tout ça, c'est réparti dans les couleurs, je suppose, hein, que le panthéon grec est à un seul endroit. Ah voilà, le grec, c'est le bleu, le rouge, c'est le romain. Parce que là, on a Neptune, Mars et Minerve. Voilà, ici évidemment. Okay, d'accord. On est parti. Je sais plus ce que vous avez. Peut-être vous montrer là-dessus sur la cage, je sais pas si vous allez les voir. Ah, peut-être. Ouais, voilà. Là, vous avez le panthéon voilà. Romain qui est plus axé romain, militaire, oui, c'est-à-dire qu'il va vous donner des points militaires. En gros, Minerve, elle te donne une défense militaire. Et Mars. Et l'autre, il t'empêche de perdre des thunes à cause des attaques. Voilà. Il est vénère, Mars. Mars, il est vénère. Mais après, c'est un meurtrier. Ça a du sens. Exact. Alors comment ça fonctionne? On va mettre en fait toutes ces cartes de Panthéon. On les mélange vite fait. Voilà. Ah, je mélange moi aussi. Ouais ouais. Et on va les aligner comme ceci, juste en haut. Voilà. Donc on les mélange vite fait. C'est pour histoire de que je sache pas dans quelle ordre elles sont. Et on va les aligner. Hop. Juste au dessus. Hop hop. Voilà. Alors vous êtes déçus sur le cadre, mais quelque part on s'en fout. Vous avez pas besoin de les voir pour le moment. C'est exact. Ça n'a pas comme beaucoup d'importance. Tout pareil. Voilà. Hop. Alors là, on va pas mélanger ça parce qu'il y a une porte ici. Je t'explique à quoi elle sert. Bah, je t'en supplie. Ouais. Hop. Voilà. Là, on a mis, on a aligné tous nos dieux. D'accord. La dernière carte, c'est une carte qui s'appelle la porte. La porte, à quoi elle sert? En fait, à l'âge 1, on va mettre en place 5 dieux. D'accord. Sauf qu'il y a 6 emplacements. Ah, au ouais. début de l'âge 2, le 6e emplacement va être rempli par la porte. La porte coûte 2 fois plus cher à acheter qu'un dieu, mais elle te permet de choisir un des 5 dieux qui sont sur le dessus de la pioche. Okay. Tu vas retourner un dieu sur le dessus de chaque pioche et tu vas choisir celui de ton choix. Okay. Donc, c'est plus cher, mais tu as plus de choix. Ah, c'est à toi de voir si tu en as besoin. Ça s'appelle la porte. Voilà à quoi ressemble le terrain de Seven Wonders Duel
Panthéon. Ça, ça va être pour noter les points. D'ailleurs, il faut que je le garde ici. Hop, je range ça. Alors, ce jeu est très intéressant de base, c'est Simon Wonders, parce qu'il est rejouable, en fait. Oui, tout ça. À chaque game est complètement différente. Enfin, ça, ça se ressemble plus ou moins, mais quand même, t'as pas l'impression que la game se termine de la même manière à chaque fois. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et vu que j'ai rarement l'occasion de le faire, je vous le dis, c'est vrai. Non, parce c'est... que j'ai joué et c'est vrai. Non, genre, c'est vraiment, vraiment bien. C'est, vraiment c'est un bon jeu. On a retiré trois cartes parce qu'il faut toujours retirer trois cartes de chaque âge parce que sinon on a trois cartes de trop, c'est normal. C'est aussi ce qui fait que chaque partie est différente parce qu'on n'a pas forcément les mêmes cartes présentes sur le plateau, on n'a pas forcément les mêmes pions scientifiques présents et on n'aura pas les mêmes dieux présents. C'est pour ça que chaque game est différent et on n'a pas les mêmes merveilles. Hein, tout exact. Ça fait que chaque game change un peu. Et ce qui fait tout le charme de Seven Wonders Duel, c'est la mise en place des cartes. Si je ne dis pas de conneries, au début, c'est comme ceci. Exact. C'est visible, caché. C'est voilà. Pas ça. Voilà, c'est visible comme ceci. Et là, vous allez voir, ensuite, on va s'étaler un petit peu. Hop. Hop. Et on va faire un escalier comme ceci. Alors oui, par contre, il faut effectivement un bac plus 5 jeu de société. C'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine expérience dans le jeu de société pour placer un plateau comme ça. Ne demandez pas à votre nièce, ça va foutre le bordel, ça va être n'importe quoi. Alors, en vrai, ça va. Parce que c'est écrit. Parce que derrière les règles, c'est résumé. Bah énorme. Donc ça va. Bah ça va, c'est facile. Vous pouvez pas trop vous planter quand même. Enfin, ouais, mais ça peut être un petit peu. Parce que là, c'est bien, c'est propre. Hein. Mais à tout moment. Attends, là, voilà. Mais à tout moment, ça peut être un petit peu discontinu, difforme hein, comme plateau. Moi, je te le dis, je le fais. Ça n'a aucun sens. Hop. C'est l'hécaton. Hop, hein. Attention, je vais te demander de moins t'étaler parce que tu m'énerves. Ouh là 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 là, voilà. Là là. On est parti. Hop. Et le dernier étage. Et après, on sera bon pour commencer cette partie. En ajoutant un petit détail qui fait tout le jus. Je sais pas pourquoi j'utilise le mot jus de Seven Wonders Panthéon. C'est qu'en fait, parmi tous les pions que tu vois ici, ça, ce sont des jetons de divinité, d'accord ? Des jetons de mythologie. Tu vas en choisir 5 au hasard. J'ai l'impression de te faire un tour de magie. Ils sont différents ? 5 au hasard. Est-ce qu'ils sont différents ? Ils sont différents, ouais. Ok, alors je vais choisir ceux-là et ceux-là. Toi, ça dégage, ça dégage. Ok. On est parti. Je te montre à quoi il ressemble. Oh là là ! Voilà. Donc là, on a choisi 5 dieux au hasard. Voilà. Ça te met... en gros, ce sont des couleurs. Ce sont des couleurs de dieux. Voilà. En fait, bon, là, tu les as vus. C'est pas... Normalement, il ne faut pas les montrer. Mais c'est pas... Ah merde ! Il n'y a pas de souci. On va les mélanger. On va les mélanger vite fait. On va dire... Voilà. T'as pas vu. Je sais plus non plus dans quelle ordre ils sont. Voilà, ça y est. Et en fait, on va les poser aux extrémités des cartes cachées et une au centre. Voilà. Ok. On les place comme ceci. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas prendre par exemple ces deux cartes-là, celle-ci va être libérée. Libérée, délivrée. Exact. Du coup, tu la retournes. Mais pas le jeton. Et comme tu la retournes, tu prends le jeton. Oh ! Il t'appartient. Dingue ! Et voilà. Donc c'est important. Ce jeton, il va te permettre d'aller choisir un des dieux situés au-dessus en fonction de la couleur du jeton. Ok. Donc tu vas prendre les deux premières cartes. Tu vas les regarder, tu vas en choisir une et tu vas la poser dans un des emplacements. Il me faut le mini livre de règles pour avoir les symboles. Ici. Voilà, pour les symboles. Pour avoir les pouvoirs des dieux. Ouest. Et oui. Pour savoir ce que ça veut dire ? Ouais. Alors je vais t'expliquer. Ici, ta première merveille, elle te rapporte 12 pièces d'or et tu peux rejouer immédiatement. Ici, celle-là, tu prends un dieu gratuitement et tu gagnes 2 points de victoire. Celle-là, tu peux aller construire gratuitement une carte qui vient de la défausse. Okay. Prends toute la défausse et tu choisis celle que tu veux construire, tu la fais tout de suite gratuitement. Okay. Plus de points de victoire. Et celle-ci, tu prends gratuitement un point scientifique parmi les points scientifiques non utilisés ici et tu gagnes 4 points d'accord, de victoire. Donc tout ça, c'est activé de base. Tout ça, il faut les gagner. Pour les gagner, ceux-là, il va falloir que tu chopes 2 symboles identiques sur les cartes vertes. Je n'ai plus du tout de tout ça. Oh là là, ça fait longtemps que je n'ai pas joué après. Hein. Ah, t'inquiète, ça va le faire. Donc je te rappelle les règles. Carte marron, carte grise, ressources. Carte jaune, c'est de l'économie, c'est des trucs qui vont te donner de la thune ou qui vont te permettre d'en dépenser moins. Carte bleue, point de victoire. Carte verte, scientifique. Carte rouge, militaire. Ok, je suis. C'est bon ? J'en suis carte grise. On y est. Si t'as besoin pour les dieux, c'est dans le petit bouquin à la fin. T'as l'explication de tous leurs pouvoirs. Ici. Ah bah je veux bien prendre du coup, voilà, au cas où que je suive le truc. Pourquoi c'est important de choisir son dieu et de le mettre sur le plateau autour ? Eh bien, parce que il y a des pièces ici. Il y a un coût. En fait, pour activer un dieu, tu vas devoir payer en pièces d'or. Et là, tu vois, ici c'est ma partie du plateau. 11. Et il y a des flèches. Donc, activer cette carte-là,
va me coûter 3 pour moi, mais va te coûter 8 à toi. À l'inverse, activer celle-là va te coûter 3 à toi et 8 à moi. Ok. Etc, etc. Alors comment on sait où on le place ? C'est toi qui décides. Ah ouais ? Donc si tu vois une carte qui est trop forte, t'as trop envie de la faire, tu la mets de ton côté. Si tu vois une carte que tu trouves bof, peut-être la mettre de mon côté pour m'empêcher d'en mettre une bien de mon côté. Ok, I understand my friend. You understand ? Ok, I'm here. On joue le premier âge. Pendant le premier âge, pas mal ça. Les cartes que tu vas placer, les cartes de Dieu, tu les mets face cachée. À partir du deuxième âge, on va découvrir les cartes de Dieu, donc on va tous savoir ce qu'il y a autour du plateau. Et on va pouvoir commencer à acheter des dieux. Tu peux pas acheter des dieux avant le deuxième âge. Et le troisième âge n'est que la continuité du troisième âge. Ok. Du deuxième âge, pardon. On y va. Premier âge, c'est parti. Tu commences, tu choisis la carte de ton choix. Let's go. Ça, ces petits pions-là, c'est pour l'âge 2. Vous verrez ce que c'est. Le premier choix, mais pas bien. Alors, par contre, je les mets où on va se mettre comme ça. Pour pas trop s'étaler, vois-tu. Parce qu'il va falloir mettre nos cartes ici et tes cartes ici. Donc, je vous mets dans sinon, le sens. Dans le sens des aiguilles dans le sens du public. Joueurs. Voilà, j'ai pris donc une carte et je la range ici. Elle me coûte 1 ou pas ? Elle me donne 1, non ? Elle te coûte 1. Elle me coûte 1, elle te donne du vert. On a 7 de base en plus. Voilà. Eh bien écoute, HF, je paye donc à la banquesse qui est ici. Alors, cette pièce de 1. Ta thune est où à toi ? Elle est là. Ah, excellent travail. Bon, moi je vais mettre ma thune ici. On va dire que la banque est ici. T'as dit quoi ? Ah ok, je croyais que quelqu'un avait parlé. Non mais c'est pas grave, n'écoute pas. Laisse parler les gens. Allez, on va essayer de pas trop traîner. C'est parti. Moi je vais prendre que les gens voient un peu à quoi ça ressemble. Je vais prendre. Et c'est donc ça, à tour de rôle, on va choisir une carte. Alors il faut de l'argile. Non, je vais pas prendre ça parce qu'il faut de l'argile. Alors si t'as pas la ressource qu'il faut, tu peux l'acheter à la banque. Ça coûte 2 pièces d'or. Ah. Plus une pièce d'or par nombre de ressources que j'ai. Merde. C'est-à-dire si j'ai 1 d'argile et que tu veux acheter de l'argile, tu dois payer 3. Si j'ai 2 d'argile, tu vas payer 4. T'as fait chier. Je vais prendre ça. À toi. J'ai pris des points de victoire. Donc j'obtiens un dieu si je dévoile ça. Si tu dévoiles ça, tu obtiens un dieu. Of course, my man. I dépense ma thune. Et hop. Alors ça te coûte que t'as payé 3 ? Ouais, j'ai payé 2. T'as payé 2, c'est bien. Donc tu prends un point militaire, tu avances ton jeton militaire vers moi. J'avance mon jeton militaire. Et tu découvres cette carte et tu gagnes un dieu. Ah oh, merde. Ok, je gagne un dieu. Alors, tu gagnes un dieu militaire. Alors, tu prends les deux premières cartes du paquet militaire. Alors, les deux premières cartes, on va essayer de les choper. Une. Voilà. Putain, elles sont dures à choper. Et deux. Voilà. Ok. Tu les regardes secrètement. Je n'ai absolument pas le droit de les voir. Tu peux peut-être les montrer au public. Je ferme les yeux. Bah, ferme ta gueule aussi. C'est possible. À Sunset. Je les montre au public. Voilà. Et ensuite, tu choisis celle de ton choix et tu la mets face cachée à l'emplacement de ton choix. Alors, je te demande de patienter une seconde, même une milliseconde, je dirais. Le temps que je regarde vite fait à quoi sert ce truc. Vas-y. C'est celui-là. Il n'y a pas de souci. Moi, je vais jouer mon tour suivant, comme ça, on ne va pas perdre trop de temps. Et let's go. Mon tour suivant sera... Ok. Sera évidemment l'argile, hein, évidemment, que je vais récupérer. C'est n'importe quoi. Gratuitement, d'ailleurs. Mais c'est complètement pété. Ah, il y a des trucs forts, ouais. Il y a des trucs forts. Alors, ok, bon bah d'accord. Ok, je vais pas prendre ça, mais parce que je sais pas comment le jouer, mais je trouve ça pété quand même. Tu veux. Ok, du coup je le remets là-bas. Alors celle que tu ne veux pas, tu la remets là-bas sur le dessus. Voilà. Celle que tu veux, tu la mets face cachée sur l'emplacement de ton choix. Face cachée. Face cachée, c'est quand je l'utilise que je la dévoile. Je te montrerai quand est-ce qu'on la dévoile. T'inquiète. Cache pour le moment. Ok, tu la mets au côté le moins cher. Fort bien. À mon tour. It's time. J'ai pris l'argile. À ton tour. À mon tour. C'est à mon tour. C'est à ton tour. Putain, je peux plus rien faire, mec. Je fous le baise. Si, tu peux prendre ça, ça te coûte 2. Tu peux prendre ça, ça te coûte 3. Tu peux prendre ça, ça te coûte 2. C'est vraiment cool en plus, hein, parce que bah, à tout moment. Tu vas dépenser de la thune. Je vais dépenser de l'argent, quoi. L'argent. Avec toi, t'as de l'argent, quoi. Ok, je valide, c'est bon. Je valide, c'est bon, ça m'a saoulé. Je peux pas te laisser prendre ça. Ok, du coup, tu récupères un nouveau pion de dieu. Il faut absolument que je contrôle la game. Donc, il faut absolument que je fasse ça. Oh là là, mais je lui donne toutes les ressources. Merci à toi pour ces ressources, en tout cas. Eh oui, dévoiler deux cartes, c'est ça le danger. Tu as un nouveau pion de dieu, un dieu scientifique. Tu peux prendre, du coup, deux cartes vertes. Tu les regardes et tu en choisis une.
Alors là, par contre, les mecs, faut arrêter de me faire des signes de gang là dans leur truc parce que je comprends rien à ce qui se passe. Tu sais, genre, j'ai le symbole des papillons, genre, what the fuck, incompris. Est-ce que tu veux vite fait que je t'explique le pouvoir peut-être pour toi Non, je dois contrôler la game. Non, si, si. Mec, si, t'en si. Fais pas, t'en fais les pas. Vertes, les vertes. J'ai. Ok. D'accord. Alors, je vais jouer mon tour suivant. Ok, je sais exactement. Je vais prendre du bois, les gars. C'est ok. Je vous le dis. Moi, je prends des ressources. Hein. Premier tour, faut prendre des ressources, parce qu'après, il n'y en a plus beaucoup. Voilà. Ok. Alors, ah, tu la mets de mon côté. Donc, exact. Après, tu la trouves à chier. Très bien. C'est à ton tour de jouer. Gracieusement. C'est cool parce que je peux bien faire des moves. C'est... Pourquoi j'ai encore 3 de thunes là ? Ça dégage, ça, j'ai payé, non ? Bah non. Bah, j'ai pas payé tout à l'heure. Ah bah voilà, bah super, bah paye. Voilà. Ah mais bah, c'est il de la merde. Il fait un, c'est-à-dire que tu ne peux rien acheter. Donc là, qu'est-ce que tu peux faire ? Bah, je peux rien faire. Tu peux prendre la carte de ton choix et tu la revends. C'est-à-dire tu la mets à la défausse et tu vas gagner 3 pièces d'or. Car 2 pièces d'or plus le nombre de cartes jaunes que tu as en ta possession. Donc, 1. Donc 2 plus 1, 3. Hop, ça dégage. Voilà, défausse. Alors, défausse. Ça dégage. On l'avait face cachée. Bien joué à toi. Donc tu gagnes des thunes. Moi, je vais évidemment prendre ceci. Je suis archi pas bien les mecs. Hein. Voilà. Donc, qui va me coûter 2, pas de sous. Voilà. Et j'ai ce symbole de dieu qui est un dieu de die. Voilà, de construction. Je vais évidemment mettre ceci près de moi. Max est tellement confiant. Et je vais rejeter celle-ci. He has got 2 resources. Oh non. Oh, cauchemar! C'est à toi. Ok, bon, bah, c'est le seul truc. Non, c'est pas le seul truc. Là, tu peux toutes les prendre, donc. Tu as l'argent pour toutes les prendre. Tu possèdes la monnaie. C'est exact. Alors, il faut garder ses pions, c'est important, car ça va te servir à l'âge 2 et 3. Ok, bah, tiens. Hop, un deuxième militaire gratis. Et hop, essaye. J'ai dit, c'est comme un gros bof. Allez, c'est gratis. Bon, okay. Bah, laissez peser les pions. Bah, j'ai envie de te dire, bien joué à toi, quelque part. Moi, je vais en profiter pour prendre ceci qui est totalement. Il n'y a que comme ça que je sais gagner. Totalement gratuit, hein. Vas-y. Mais je vais pas te laisser gagner militairement. Bah, espérons, parce que putain, je sais faire que ça, mec. Y'a pas de souce. Vas-y. Ok, bon, bah, c'est parti. Ah, on part sur un petit symbole scientifique. Ah non, tu le jettes pour avoir des tuyaux. Ouais, ça dégage. Ok, 3 pièces d'or, bien joué à toi. Du coup, moi je vais prendre ce symbole militaire. N'hésite pas. Qui ne me coûte absolument rien. Ça revient. Et qui me permet d'avoir un nouveau jeton de dieu. Un jeton de dieu de merveille. Donc c'est un blanc. Et je vais du coup. J'ai perdu parce que je suis parti que sur un truc. J'ai aucune ressource, les mecs. Y'a pas de problème. Big shit, guys. Y'a pas de problème. Tu vas t'en sortir. Ah, fucked up. Voilà. Je suis vraiment pas bien. Oh, mais Dictaras! Putain! Okay. Fais chier. Oh là là, cauchemar! T'as pris quoi? Bah, je dépense et j'achète, c'est bon. C'est bon, j'ai pris, c'est bon! Ça va! Vas-y, mets les unes en dessous des j'ai autres. J'ai pris, c'est bon, j'ai pris. Ok, fort bien. Moi, je vais en profiter pour. Ça m'a coûté 3, putain! Fais chier, j'ai plus de thunes, les gars, il me reste 2 thunes! Je suis d'accord. Les gens doivent se dire, putain, le plateau est à l'envers, ils sont complètement cons, quoi. Ils auraient dû jouer dans l'autre sens, hein. C'est terrible. Bah oui! Mais oui, exact! Bah attends, non, mais. C'est pas grave. Oh, j'avoue, en plus, on n'explique pas du tout ce qu'on fait, c'est terrible. Quel connard! Drôle! C'est de l'humour, ça, je reconnais. C'est pas mal. Ok, non, mais c'est bon, vous reconnaissez, y'a pas de souci. Comment ça, on n'explique pas, comprend? Bah, tous les trucs bleus que j'ai pris, c'est des points de victoire. Les trucs rouges, c'est des trucs militaires, d'ailleurs. Bah, tu l'as fait avancer pour moi, bien joué à toi. Et les trucs marrons, c'est des ressources. Donc pour le moment, il n'y a pas grand chose à expliquer. J'ai beaucoup de ressources, lol. Les dieux, on ne peut pas expliquer ce qu'on fait parce que c'est fait face cachée. Donc pour le moment, on ne peut pas le dire. J'ai très mal joué. Pour le moment, il n'y a pas de sous. Je suis obligé de prendre ça. Tu le notes. Je suis obligé de le prendre. J'ai noté, Max. Et je le prends avec grand plaisir. Voilà, c'est pris. C'est à ton tour. Tu as le choix entre une carte économique qui te rapporte 4 pièces j'ai d'or. J'ai le choix entre te donner un dieu ou peut-être. Te donner un dieu, je ne sais pas. Ouais. Peut-être me serrer la main quand même parce que bah je l'ai mérité. Quand même. Merci à toi. Peut-être partir là-dessus quoi. C'est une petite ressource quand même. Hein, parce une petite ressource est... qui est gratuite, non qui coûte. Non, qui coûte. Reste super calme par contre parce que moi j'ai de la thune mais je dépense quand même. Ok, très bien. Bah du coup moi je vais prendre ceci qui non seulement est gratuit mais qui en plus me rapporte 4 pièces voilà, d'or. Voilà, donc on est super content. Qui en plus ce dieu de merde, me là donne un dieu. Un dieu de merveille. Super. De merde. C'est génial. Ouais, de merde, évidemment, on est d'accord. De merde. Et qu'est-ce qu'on va faire? Alors ça peut être rigolo.
mais en fait non, donc je vais prendre... Oh si, ça c'est marrant ça. Ça, ok, c'est... Ça, c'est... à quel moment je peux activer cette truc, les merveilles? Quand je veux. Tac. Alors, les merveilles, tu peux les activer quand tu veux. D'accord. En gros, le principe des merveilles, c'est quand tu choisis une de ces cartes, ici, au lieu de la sacrifier ou au lieu de la construire, tu la mets sous ta merveille. Et du coup, ça te permet de construire ta merveille. Par contre, il faut pouvoir payer le coût. Le coût est indiqué ici. Aucun Donc, tes merveilles coûtent un peu de ressources quand même. Aucun sou. Aucun sou. Tu peux y aller. Je ça prends te une coûte carte S, je prends un... donc celle 6. Hop. Bien joué à toi. Bah, bon, j'en rajoute des S à la fin de tous mes trucs. C'est pas grave. Et deux pièces. Voilà, il me reste plus que deux pièces. J'ai de l'argile désormais. Ça m'a coûté une pièce d'or. Tranquille, les mecs. Tranquille. Il me reste deux pièces. J'ai actuellement deux dieux. Maxa, trois diox. D'ailleurs, il est où ton diox là? Ah, tu l'as mis chez moi. C'est de la merde donc. Alors, moi, je vais payer trois. Je vais prendre ce symbole scientifique. Et je vais construire le piret. Ok, ce qui fait que tu rejoues. Qui fait que je gagne deux points de victoire en fin de game. Que pendant tout le reste de la partie, j'aurai les ressources de la papier et de verre. Exactement. Et que je rejoue immédiatement. Donc tu prends cette ressource. Évidemment, elle est gratuite. Eh oui. Et voilà, moi je dépense un c'est et je prends celle-ci au final. Parce que bah, au final, j'ai mon libre arbitre, je fais ce que je veux. C'est important. C'est parti, mon ami. Il ne me reste plus qu'une pièce d'or. Tu es donc le meilleur joueur de cette partie. Non, 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 pas du tout. Pas du tout, ça ne veut rien dire. H2 ça, du coup peut-être. H2 tout à fait, on va prendre l'H2. H2, même délire. Hop. Sauf que petite modification. Ah. Je te montre. On mélange. Pas de soucis. Donc là déjà ça t'impressionne un ça... peu. Dis que t'es impressionné. T'es impressionné. Là. Petite ah, oui. Ah oui, oui, oui. Là, oui. Ah, oui. Là oui. On dit oui. Oui. Tu vas en retirer 3 de ton choix. Et là, Max. T'as pas voir comment ça repartir, c'est chiant. Alors. Et on va faire ceci. Hop, attention. Hop, voilà, et on va les reposer comme ceci. Alors l'âge 2, bah, c'est juste l'inverse de l'âge 1. Alors, jusqu'ici, on fait rien de c'est très compliqué. C'est juste après l'âge 1, notamment. Voilà, ça fait son sens. J'ai de l'humour avec toi, mec. C'est important, l'humour. Ça me plaît beaucoup, putain. Voilà, hop, hop, hop. On va essayer d'aller. On s'active, hein, on a bientôt terminé l'heure. Oui, je me mène le cul. Je t'en supplie, parce je que suis ultra en les train gens de me sont impatients de découvrir l'issue de ce combat. Oui. Qui comprend le jeu Elrond? Eh, Elrond, commence pas, parce que moi sinon j'explique tout et ça va te saouler. Il y en a pas le temps en plus. Il y en a qui comprennent rien, vraiment. Est-ce qu'il y en a qui comprennent? Kenny, c'est la crise, go militaire. C'est exactement c'est la... ce que je vais faire, mec. Ça va partir full militaire, il s'attend à rien. C'est vrai que t'as la voix défoncée, c'est oui, terrible. Ça, c'est... Ah, il est en train de me. Ok, on y va. Ce qui se passe, c'est qu'on va rajouter 3 petits jetons, qui sont ces jetons bleus, et que l'on va mettre. Si je ne dis pas de conneries. Merde, j'ai oublié. Attends, mais tu les poses aléatoirement ou tu les poses où tu veux? Non, 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 non. Non, non, merde, j'ai oublié. Attends, ça va où? Ça va où? Ah, attends. Merde. Ah. Donne-moi le petit livret de règles. C'est écrit derrière. Derrière, le c'est écrit le positionnement. Pour essayer d'expliquer globalement un truc qui est simple. Je veux juste voir le positionnement des trucs. Max dispose tout simplement bon. Des cartes. C'est bon, c'est là. Dans un ordre précis. Et on prend les cartes l'un après l'autre. On va prendre ces cartes. Certaines nous donnent des points militaires qui nous permettent d'avancer vers la victoire ici. Certaines nous donnent des ressources qui nous permettent d'acheter différentes cartes. Comme par exemple cette carte militaire que je vais montrer à la cam. Je sais pas si vous la voyez. Voilà. Ici on a le coup juste là. Et ça coûte 2 d'argile et une fiole. Et si tu n'as pas ces 2 d'argile et fiole dans les ressources que tu as au préalable récupérées à l'âge 1, parce que c'est à l'âge 1 qu'il y a le plus de ressources, eh bien tu es obligé de payer à la banque directement pour acheter ces ressources. Ce qui est chiant. Ce qui est chiant. Parce qu'on dispose de peu d'or. Exactement. Donc voilà, ça c'est globalement la base. Et après, ben, normalement, c'est, tout découle, c'est assez logique. Les victoires scientifiques et tout, généralement, quand vous êtes noob, vous prenez pas la tête. Prenez ces trucs juste pour faire chier votre adversaire. Effectivement. Ne vous prenez pas la tête. C'est totalement vrai. Parce moi, je vais faire ça parce que ça me coûte rien. Oh ! Oh non ! Voilà. Ah non, non, non. Eh voilà ! Je vais pas faire ça. Eh ouais, tu fais pas ça, mon pote. Je fais pas ça parce que comme c'est toi qui domine militairement, c'est toi qui décide qui commence. Eh bien, c'est moi, mon ami. Je vais commencer tout de suite, juste après cette page de pub. Non. Non, mais il est complètement con, lui. Vas-y, vas-y, vas-y. Hop là, on n'a plus une seule pièce, mais c'est pas grave. On part sur l'achat de ces Militar Room, pièce 7. T'avances de 2, je dois perdre 2 pièces. Voilà, je perds 2 pièces d'or. Tu me casses les couilles, je te déteste. HF, comme on dit dans le game. Je te déteste, mais je te déteste. Profondément, ce qui change beaucoup de choses. Ah ok, j'arrive pas à crier. Ah, c'est important.
Eh bien, je ne peux pas construire ceci. Car j'ai pas les thunes. Je vais la tège. Et je gagne. Mon plan est parfait. 4 pièces d'or. Personne n'a compris ce qu'il vient de se passer. Vas-y. J'ai pas les ressources pour le prendre, donc j'ai revendu la carte et je gagne 4 pièces d'or. Et c'est tout ce que tu mérites. Allons-y, c'est à toi. Je sais. Je vais donc prendre cette ressource puisque je n'ai pas les thunes pour l'acheter. Je vais donc la revendre. Jeter. Pour voilà, obtenir 4 pièces manière. D'or aussi, car quatre tu as pièces d'or. 2 cartes jaunes. Bien joué à toi. C'est exact, Max. Voilà, tu l'as jeté, bien joué à toi. Je vais prendre celle-ci, car elle ne me coûte rien. Car j'ai la carte goutte qui est ici. J'ai avancé de 2, je ne me suis pas trompé ici. Hein. Oui, tu okay. as avancé de 2. Parce que quelqu'un m'a dit, Kenny, tu dois avancer de 2, pas de 1. Il l'a fait, il a avancé de 2. Parce que je me disais. Max ? Oui. Ok. Tu es toujours voilà. là, c'est bon, c'est validé. Ça, c'est validé. T'invite à choisir. Je te remercie, c'est Faut une bonne qu'on joue vite, tu l'as dit toi-même. Joue plus vite. Je plus te demande pardon, mais. Rapidement. Je fais non, ce que je veux. C'est pas ça la vitesse. C'est voilà. ça. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la vitesse. Ça, c'est la vitesse. Ouais, ça, voilà, énorme. Très, très vite. Voilà. Bien joué. 4 pièces d'or, il vient de sacrifier. Et par contre, tu gagnes ceci. Car tu découvres cette carte et tu gagnes un pion. Qu'est-ce que c'est que ce pion? Alors, c'est un pion. C'est une promo. C'est-à-dire c'est une promo. C'est une promo. Voilà. Tu paieras 4 pièces d'or de moins pour acheter un des dieux. Pourquoi tu vas acheter un des dieux? Parce que j'ai oublié de faire un truc au début de l'âge 2, c'est de retourner les cartes. Ah ok. Ok. Et là on découvre tous les dieux qui sont ici. Voilà. Et ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on peut acheter ou pas. Pour acheter les dieux pour acheter les dieux, tu dois dépenser la thune nécessaire à leur achat. Moins 4. Et tu ne prends pas de carte. C'est la seule action. Acheter un dieu. Acheter un dieu, c'est la seule action qui te permet de ne pas prendre de carte dans la structure qu'elle a. Ah. Donc ça te permet de délayer un petit peu. C'est hyper cool. Tu vois l'idée? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est à ton tour de jouer. Ah non, c'est à mon tour c'est de à jouer. Ton tour. Je veux bien rejouer, pas de soucis, mais ça va pas te plaire. Non, ta gueule, c'est à mon tour. Hein? En revanche, j'ai une. Je suis super intelligent. Attends, j'arrive. Je vais faire ça. C'est gratuit. Ça me donne 6 PO. Max Sildan. Dis-moi. Est-ce que je dois payer les ressources de la carte que je défausse pour débloquer une merveille? J'ai rien compris. Est-ce que je dois payer les ressources de la carte que je récupère pour débloquer une merveille? Genre, si je prends ça, est-ce non, que je dois payer tu les ressources? Non, je dois payer que la ressource de la merveille. Eh bien, c'est parti, mon petit pote. Vas-y. Ça prend donc cette carte qui m'est bien évidemment absolument inutile, qui aurait besoin d'une équerre. On la met ici. C'est pas du tout une équerre, c'est un compas. On s'en carre. Voilà. C'est même pas un compas. Et tu payes 1 pour avoir le bois, puisque j'ai la pierre, la fiole et. Ah, bien joué. Le parchemin. C'est en travail. Ce qui donc me donne 12 pièces. Bien c'est joué. Énorme. 12 et pièces. Du coup, tu incarnes la richesse. Et je rejoue. Et tu rejoues. Et je rejoue. Et là, tu fais quoi? Ce que je vais faire dans l'immédiat, mais regarde-moi, premièrement. Peut-être acheter un dieu, je sais pas. Je peux l'acheter qu'une seule fois, le dieu? Oui. Mais non, tu vas pas acheter 3 fois Mars. Ah c'est bon. Évidemment. Je me suis dit, ah tous les tours, on lâche 3 pièces et on gagne. Non, non. Ok. Donc, alors, en revanche, je peux faire autre chose. Tu peux acheter un autre dieu. Je peux regarder la défausse ou pas? Non. Ah. Absolument pas. Bah, je vais quand même le faire. C'est-à-dire que ça le nique pour toi aussi, le dieu? Oui. Super. Donc, tu vas acheter Hadès. Ça même va te coûter si c'est 7. Pas bien, je vais le faire. Donc, ça te coûte 7, tu achètes Hadès. Ça te coûte 4. Ça te coûte 3 même. Bah, ça te coûte 7, moins 4. Mais en fait, tu le dépenses, ton pion. Bah ça me va, de toute façon c'est que là que je vais le dépenser hein. Ok, alors vas-y. Bah du coup je vais prendre la défausse et je construis. Donc j'utilise Hadès qui est donc mort. Là il a plus de pouvoir, il est bon, dégueu. Alors ça va ne te servir que pour ça, oui et non. Ce pion, si tu décides de ne pas utiliser et de le garder, si tu arrives à choper le symbole scientifique du mysticisme, ça te donnera 2 points de victoire par symbole mythologique. Le c'est mysticisme. Une aubaine. Bah oui, parce que là, tu vois, moi j'en ai déjà 3, plus celui-là, ça commence à faire je vais points. Dans la défausse, pose ça et ça me donne 5 points de victoire, tu vois ce que je veux dire? Pas de souce, mec. Faut un cervelet à un moment. Pas de souce. Je dis pas que t'en as pas, je dis juste que ton son Saul Goodman là, il a essayé de me vendre. J'essaye. J'essaye de te vendre des trucs. Oh bah je vais peut-être le garder du coup. Ah du coup tu l'as pris? Ouais. Bien joué à toi. À mon tour. Je prends ça. Mais non. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Moi ce que je vais faire. J'ai perdu les gars. J'ai perdu, je reviens sur le chat parce que je me sens pas bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais payer 8. Moi de mon côté, je paye 8. D'accord. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Oh, et j'achète Mars. Enculé. Voilà, comme ça, va te faire baiser. Cordialement.
En toute cordialité. It's okay guys, I lost, but that's okay man. Voilà. I lost, but that's okay man. C'est tout, j'ai pris ce Deus. Oh putain de merde. C'est à la Méades de ton côté. Je vais être obligé de m'acheter cette merde. Non. Hop. Oh là là, mais ça sert à qui ça? Ça c'est rien, une plume. Ok, c'est bon. Hop. Du coup, et ça passe merde. Et voilà les points de victoire S qui sont pour toi 4 points de victoire. Tu peux peut-être effectivement gagner les 100 points de victoire. C'est parfaitement gratuit hein, donc je vais la prendre. J'ai joué mais comme le pire des joueurs. Ah. Hop. Mais t'as pas pris finalement la carte bleue là qui te donne des points de victoire? Oui. Non, j'ai pris ça. De la défausse, t'as pris ça? Ouais, pour faire plaisir. Mais non. Ici. T'as pas pris ça dans la défausse. Mais ça me sert à quoi, mec? T'es tellement devant, je pourrais jamais te rattraper en fait. Ok, d'accord. C'est impossible. Je joue le tout pour le tout. Alors j'ai pris ça pourquoi? Pour une raison claire et précise que tu vas acheter un dieu. Que je vais t'énumérer dans une seconde. J'ai vu ce que t'allais faire. Tu vas acheter un dieu, mais tu vas acheter lequel? Je le comprends pas. Ça te permet d'aller chercher une carte dans la défausse pour construire une merveille immédiatement, gratuitement. Gratuitement la merveille. Et ça te permet de détruire une de mes merveilles, enfin de la déconstruire. Voilà. Oui, gratuitos. Merveille gratuite là-bas. Mais c'est là, c'est dieu gratuit. Merveille gratuite, dieu gratuit ou déconstruire une merveille. C'est dingue. Déconstruire une merveille, c'est intéressant parce que par exemple, tu peux déconstruire celle-ci, puis la refaire et ça te redonne 12. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je pourrais acheter qu'un dieu là. Tu la remets. Bah là, tu peux en acheter qu'un, donc faut choisir. Mais ça peut être intéressant de déconstruire une merveille pour la refaire, pour rebénéficier de son effet. Ouais, mais tu j'aime pas ce que tu fais. Donc je vais prendre ça. Faut que tu joues vite. Hop, bah c'est ce que je fais, je te demande de patienter une seconde. Non, mais je suis pas sûr. Ça coûte deux une ressource de base. Ça coûte 2 de base, ouais. Ça coûte 2. 2 plus le nombre que j'en ai, parce que là il te manque quoi? Hein? Le bois, ça te coûte 1. Voilà, donc t'en as 2, il t'en faut 2. C'est 4. Ça, t'en as. Le papyrus, t'en as 1. Donc faut juste que t'achètes le papyrus. Donc le papyrus, c'est 2. C'est bon. Ça coûte 4. Donc je vais donner un 6, je récupère 2. Je donne 3, je récupère 3. On est bon pour faire des pièces. C'est bon. J'ai donc créé ça. J'active ce Dux. Oui. Qui me permet de construire une merveille automatiquement. Et attends, dis-moi. Qu'est-ce que c'est ça? Ça te permet de choisir un symbole scientifique de ton choix parmi ceux qui sont là. Au hasard parmi ceux qui sont là. Pardon. Ah, mais c'est peut-être de la merde, non? Bah, en fait, t'en prends 2, tu les regardes, t'en choisis un, tu jettes les autres. Voilà. D'ailleurs, non, t'en prends 3 et t'en choisis un. Et ça me permet de construire une carte automatiquement dans les. Et ça, tu prends celle de ton choix. Je vais construire ça. Vas-y, tiens. Et donc là, je prends un truc et je le pose en dessous. Voilà. Hop. Okay. T'en prends 2 au pif. Enfin, 3 au pif, pardon. Vas-y. Oh là là, oh ceux-là ils sont. Oh yo 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 yo, ceux-là ils sont bien. Tu regardes, il y en a un, tu le prends, les autres tu me les redonnes. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, j'ai oublié! Tu veux que je t'explique? Ouais, explique-moi. Parce que de toute façon, je peux pas en faire grand-chose. Voilà, on s'en fout. Mathématiques. Ça va te donner 3 points de victoire par symbole vert à la fin de la partie. Cool. Ça fait que tes prochaines merveilles coûtent 2 de ressources de moins à construire. Et okay. Ça donne 7 points de victoire à la fin de la partie. Je te conseille de prendre celui-là vu le... Mais rien n'empêche de récupérer du scientifique après. T'as très peu de symboles scientifiques pour le moment. Sachant qu'il faut des paires de symboles pour. Ouais, mais j'ai full lose, mec. T'as tellement. Prends 7 points de victoire. Oh, ok. Dis pas que t'as lose. Ouais, moi j'ai full lose, je pense. J'ai full. Quoi, enfin, cut, comment ça? Comment ça? Tu nous laisses finir notre partie, rap de merde, game, là. Hein. Je te défonce, là, quoi. Oh! Pas parce que t'as un CDI que. Oh! Il est CDIsé, il est là, ouais. Va falloir que. Ouais, prends un micro, ouais. Ça dégage. Ok, il a coupé le micro, le bâtard. Quel enculé. C'est marrant ça. Les gens sont comment dans le chat? Ils sont FF mental ou pas, Kenny? Bon, c'est à qui? C'est à moi. Est-ce que je prends un dieu? Il faut que tu prennes Isis, frère, parce que sinon on est perdu. Hop. Qu'est-ce que je fais? Hop, on réagit. 3, 4, 12, paf, j'ai les ressources, je prends ça. Vas-y, à toi. Oh ok, beaucoup alors de cartes bleues, de mon côté. Je prends ça absolument gratuitement, puisque je n'ai pas d'autre choix que de tout donner dans cette merde. Ok, bien joué à toi. Et je débloque un dieu. Alors, non, tu bloques une promo pour acheter un dieu. Une promo moins 2. Oh, bah c'est pas mal, moins 2, c'est les ventes privées en ce moment. Exactement. Super. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais. Moi, ça va me coûter 2. Oh non. Ouais, si ça va me coûter 2, je vais construire ça. Mais ta race? Non. Mais Max. À toi. Mais Max.
Je ne sais pas qui tu es pour te prendre ainsi. Il n'y a pas de sous. Et du coup, hop. Son petit. Hop, je t'ai baisé. À toi. Et toc le nul. Tu as le choix entre une ressource ou une Qu'est-ce ressource. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Ça, c'est un symbole. Ça un symbole scientifique. C'est-à-dire que si tu arrives à avoir ce symbole-là et ce symbole-là, tu pourras prendre un autre verre gratos. Ouais, mais j'aurais jamais ça. Ouais, mais ça m'a saoulé de toujours tout te donner. Donc, tiens, allez, montre-moi les cartes et donne-les-moi, je t'en supplie. T'es prêt? Sauf si tu fais pas de rejouer. Oh. Du coup, je vais utiliser cette ressource, mais je vais pas la prendre. Oh non, il va le faire. Je vais. Tu fais ça, t'es un gros con, Max Hildan. Je vais te le dire. Alors, attends, ça va me coûter combien? Ça va me coûter. Ah! Ça me coûte 3. Enculé. Ça me coûte 3, je vais faire ceci. Du coup, je vais retourner ces cartes. Voilà, je gagne cette promo déifique, n'est-ce pas? Je vais payer 3, parce que c'est ce que je dois payer. C'est quand même sacrément de la merde dans les cartes qu'on propose. Hein. Et je peux rejouer, et je vais du coup être dans la merde, car je ne peux en acheter aucune. Bien joué à moi. Donc tu vas être bien déçu. Effectivement, je vais défausser cette merde. Je vais défausser cette merde. Voilà. Je vais mais il est chiant en plus. Je vais récupérer 1, 2 et plus 3 pièces d'or. Voilà, je récupère 5 pièces d'or. À toi. J'ai très mal joué. C'est à ton tour. Allez, on a bientôt fini. La game est bientôt finie. Hop, je prépare direct l'âge 3, comme ça on perd pas de temps. Comme ça on peut voir le bout de cette game pour ceux qui suivent. Hop. Donc voilà, ça s'appelle Seven Wonders Duel avec l'extension Panthéon. Et je vous la recommande de type fortement. Voilà. Parce que c'est un type. Ok, je dépense 4 et j'utilise ce dieu pour déconstruire cette merveille. Voilà. Désormais c'est fait. Je remets où cette carte, j'en mets là. Tu mets absolument où tu veux. Voilà, ce dieu est donc consommé. Fort bien. C'est fait. Fort bien à toi. Allez. Je vais désormais. Fais quelque chose. Ouais, je. Ah, ça va, me force pas. Non, mais fais là, ça m'a non, saoulé. Non, me force pas, ça m'énerve. D'accord. Ça m'énerve, attention. Je vais jouer quoi? Putain, j'ai vraiment envie de refaire une game. C'est con, hein? Parce que. Hop. Parce que tu m'as saoulé et les gens vont croire que t'es meilleur que moi alors que pas du tout. Bim. Et 5, alors que pas du tout. Voilà, à ton tour. Ok, bah c'est à moi, je vais donc jouer Max Hildan. Vas-y, joue. Hop, je récupère cette carte pour seulement 4 pièces d'or. Énorme. C'est énorme. C'est bon ? 4 pièces d'or ? Non, je la récupère pas, mais what the fuck, je la vends. Hop, qu'est-ce que hop, j'ai branlé hop. Je vais prendre j'ai branlé des couilles là, qu'est-ce que c'est on que ça sait pas. Hop, ça dégage. Tac, au pif. 4 pièces d'or, non, je vais pas la prendre, qu'est-ce que j'étais en train de faire là ? Prends 4 pièces d'or là, ça m'a saoulé. Voilà. Okay. Et donc c'est à toi de choisir une carte là. Merveilleux, je vais donc choisir. Ah ! J'ai pas de carte verte. C'est intéressant. Ah Bah tu peux prendre cette chiasse ou cette merde. Ah ouais, bah, je vais prendre clairement ça quoi. Je vais clairement prendre ça. Et ah ouais, mais toi c'est pas de la chiasse pour toi. Ouais, pour moi c'est intéressant. Oh si, c'est un peu de la chiasse quand même. Voilà, et je vais payer 3. C'est honnêtement et c'est bon. OK, bon bah du coup c'est à moi ça. Exactement. Ça c'est à moi gratuitement. Voilà. Allez, on termine. On termine les games. Terminate. Alors, c'est visible. Paf, visible. Donc ça, c'est le dernier âge, âge 3. Caché. Hop, ouais, voilà. Max est en train d'en faire le plateau de jeu. Ouais, que vous plaît. C'est le dernier plateau après, c'est la fin de la game. Voilà, et donc là, on est au dernier âge. Et là, les cartes coûtent cher. Oula. Mais on est censé avoir... Exactement. Tu l'as bien suivi, Maxil Dalmont. C'est bon ça. Par contre, y a rien au milieu, c'est normal ça. C'est normal, c'est voulu. Oh mais bien joué, oh là là. Je connais le plateau T'as par bon cœur. Soldat, toi, tu suis les ordres. Hein. Je le connais par Max, cœur. Max, c'est le bon petit soldat. Tac, tac. Alors ça, c'est intéressant. Comme c'est toi qui domine militairement, c'est toi qui décide qui commence. C'est quoi ça 21, 5, 21 quoi, attends, attends, faut que je resserre les cartes, les gens voient rien. C'est quoi ça Attends. Je vais t'expliquer, mec. Ça coûte très très cher, mais c'est. Mais ça a l'air très très fort. Je vais t'expliquer ce que c'est. Parce que sinon, tu vas être full perdu. Bah, je suis full perdu, c'est pour ça que je m'interroge parce que je me dis, je fais 40 points de victoire d'un coup, là, je suis un peu chaud, quoi. Non. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Des cartes violettes comme ça, il y en a 3. Il y a celle-là, celle-là et celle-là.
Si t'en chopes une, t'as 5. Si t'en construis une, t'as 5. Si t'en construis deux, t'as 12. Si tu arrives à avoir les 3, t'as 21 points. Okay. C'est énorme. 21 points, c'est énorme. Donc évidemment, je ne te laisserai pas avoir les 3. Sachant que ça te coûte les ressources qui sont là ou le jeton qui est là. Tu peux payer avec les jetons que t'as là. Ok. En fait, si tu as ce jeton, c'est gratuit. C'est tout. D'accord. Donc celle-là est gratuite, par exemple, pour toi. Si tu le souhaites. T'es pas obligé de le souhaiter. Bah oui, mais là c'est absolument gratuit, donc bah, je vais la prendre, bien sûr. Voilà, bien joué à toi. Mais je vais pas faire ça. Tu fais ce que tu veux. Je te forcerai jamais à rien. T'es mon ami, Kelly. Si, c'est ce que je vais faire. Super. Vas-y, fais. Je vais tenter un truc. J'essaie de brain d'abord. Non, mais je tente un truc. C'est pas grave. De toute façon, je j'ai pas envie de jouer les points. J'ai envie de jouer le point depuis tout à l'heure. On prend les deux militaires et on joue de la merde. On joue de la merde, t'es parti. Ouf, ça va. Okay. Allez, c'est le all-in, les gars. Le all-in, all-in. Mmh. Pas de sous. Putain, c'est tellement de pression, les gars. La game est tellement excitante. Hop. Je vais jeter cette carte et je vais prendre de la thune. C'est-à-dire que je vais prendre 4, 5, 6. À toi. Tu la prends finalement? Non, c'est... Elle va construire ma merde. Ah oui, c'est, t'as déconstruit ça pour avoir 12 points. Ah oui, d'accord. Et je rejoue. C'était plutôt de la... Et tu rejoues, bien joué. Et là, si t'es malin, qu'est-ce que tu fais? Je prends. Eh bien, joué à toi. Excellent taf, ça. Et oui. Bien joué. C'est le all-in. Tu viens de bien baiser, bien joué à toi. Ok, on joue ça. On utilise bien sûr les trois pièces hein, afin de... Bah, tiens, prends ça. Pauvresse, le pauvre là-bas. Pour construire ici. Ah mais non, c'était gratuit. Ah oui, c'était gratuit. Hein. C'est absolument gratuit récupère pour moi. Ta thune, c'était totalement gratuit. Voilà. Bah, celle-là est gratuite pour moi, donc je vais la prendre. Voilà, ça me donne deux pièces d'or par merveille construite, donc ça me donne quatre. Hop. Voilà, à je toi. Prends cette carte absolument gratuitement. Puisque j'ai déjà... Donc t'avances de deux. Bien joué à toi. Voilà, c'est exact. Ok. Aïe, aïe, aïe. On tente la remontée fulgurante de Kelly Stream. Je prends ça parce que c'est gratuit. Putain de merde. C'est tellement pas bien. Max, il est sous presse. Je suis pas bien, sir. Sir, I'm not good. I'm not good, sir. Ok. Sir, I'm not good. I'm not good, sir. I'm not in the win. Let me think. Actually, it's complicated. Allez, je go, te pointe du doigt, Max. Ouais, mais c'est à ton tour, là. Il s'agirait de jouer. Oh, merde. Il s'agirait peut-être de jouer. Oh, merde. C'est la petite chance. J'avais pas pensé à ça. Joue. Oui, bah, patient, deux secondes. Merde. 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 Oh non! Oh c'est chiant! Oh c'est pas drôle! Oh! Bien joué. Un troisième symbole, excellent taf. C'est un troisième symbole. Il va avoir une victoire scientifique, militaire et pas de points. Force, hein, il est force, Kenny. Oh! Est-ce que je tenterai pas le beau jeu? Allez, beau jeu. Moins 3. Oh non. Alors 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je paye 12, je prends la porte. La porte me permet de prendre au choix une des cartes suivantes. Ah merde ! J'ai pas compris la porte comme ça, moi. Ben voilà, je te le dis, ça fait ça. Je pensais que c'était les dieux qui étaient sur le plateau. Ouais. Bon, bah pas grave. Je te le dis, ça fait ça. Bien joué. Alors. Ah merde, j'avais zappé ça. Il avait expliqué en plus. Ok, ça m'arrange. En vrai, ça m'arrange. Oh, yo, yo. Putain de merde. Je vais prendre... je vais prendre Zeus. Prends Zeus, mec. C'est quoi, ça? Zeus me permet de détruire la carte de mon choix. Là? Ouais, dans la structure. Oh. Grosse merde. Max, c'est bon, ça m'a saoulé. Je vais donc détruire celle-ci. Voilà. Il y en a qu'une, tu poses de... Non, il y en a peut-être une là. On sait pas. Il y en a une deuxième? Bah oui, il y en a d'autres, hein, des trois. Okay. Oui, il y en a. Comment il est dég. Voilà, je la détruis donc.
À ton tour. Mais c'est de la chiasse, je savais pas qu'il y avait ça, putain, j'avais oublié. D'ailleurs, ouais, je vais lire une précision, parce que j'ai pas envie de me faire enculer au dernier moment. Parce que je te connais, Kenny, t'es beaucoup trop intelligent. Et j'aime pas les gens intelligents, ça m'énerve. Est-ce que ça détruit la carte ou est-ce que ça la met dans la défausse? Parce qu'en vrai, tu peux gagner, tu vois. Alors. Ouais! C'est dans la défausse, donc tu peux encore gagner. Je l'avais vu dans le débat. T'inquiète. Donc tu peux encore gagner, Coco. Je te l'ai peut-être même un petit peu donné, celle-là. Hop, du coup, c'est 2 que ça me coûte parce que j'ai toujours pas de bois. Heureusement que j'ai pris ça, hein, parce que mec, sinon j'aurais été dans une de merde. En gros, j'ai pris une carte qui me permet d'acheter les ressources de bois pour seulement une pièce d'or et non pas 2. Et à chaque fois, je dépense. Et vu que j'ai pas de ressources de bois. Du coup, je paye 2 depuis tout à l'heure. Ouais, je paye 2 au lieu de payer 4 en fait. Et bien sûr, t'as raison, c'est ce qu'il faut. Alors que j'aurais pu payer 4 à max directement. C'est à mon tour là. Oui. Oh merde, attends, pardon. Pas à quoi ça te sert, mais tu peux la prendre si tu veux, pas de soucis. Hein. Après, c'est un peu de la merde, je te le cache pas, c'est pas ouf quoi. Écoute. Oui, c'est de la merde. Sauf que toi, elle va te rapporter quand même 12 points. En même temps, t'as quasiment pas de points de victoire, donc je m'en bats un peu les couilles. Et je ne peux pas te laisser ce truc militaire. Ce que je regarde depuis tout à l'heure. Aïe, je suis pas bien. En gros, je sais comment non, ça non, se passe. Non, mais attends. En fait, j'ai une chance c'est sur pas RNG fini. De gagner. C'est pas fini. Sur la RNG, je gagne. Sinon, j'ai perdu. Si Max, c'est pas con, j'ai perdu, c'est la RNG qui me fait gagner. Donc là, en gros, je laisse mon sort à la chance. Je n'ai qu'une. Je vais pas expliquer mon coup, parce que sinon, Max, il va simplement le contrer. Mais s'il l'a compris, c'est la RNG qui va me faire gagner. Non, mais là le problème, c'est que techniquement. Techniquement, j'ai perdu. Si tu fais pas de la merde, j'ai perdu. Obligé. Je ne peux pas gagner. Are you ready, man? Ok. Les points, ça se calcule comment déjà ces points là de merde? Là j'ai rien là, non? C'est de la merde là ce que j'ai. Bah là t'as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est tout. Là, t'as 9 points de victoire. Et si j'en ai un le même. Si t'arrives à avoir une paire, tu pourras prendre un des trucs qu'elle a. Et si t'arrives à avoir deux nouveaux symboles. Si tu connais tous mec, les c'est symboles. Pas mal parce que si t'échoppes celui-là. Dommage, il t'en manque un. Ok, d'accord. T'aurais fait une victoire scientifique, mec, je t'aurais sucé la queue en live. J'ai compris comment je peux gagner. Écoute, je vais jeter ça et je vais prendre de l'argent. Ah ouais, mais j'ai full win alors. Je peux pas perdre. En fait. 5, 6, 7. Il me faut 7 pièces d'or. Voilà. À toi. Bah oui, j'ai gagné. Bah vas-y, fais. Après, tu me ça. Donc ça me coûte quelque chose. Non, ça me coûte, ouais, 1. Ouais, ça me coûte 1. Du coup, je vais le prendre. Et je vais le dépenser, le 1. Ok. Ok, tu construis ça. Je construis ça. Ça te donne 2 pièces d'or par carte marron. Donc t'en as 3. J'en ai 3. Ça te donne 6. Voilà, ça me donne 6. Bien joué à toi. Quelques pièces. Moi, évidemment, je vais construire ce truc militaire pour t'éloigner de mon danger. Parce que sinon, je suis pas bien. Donc, ça me coûte 1. Alors, ça me coûte 1. Ok. Et 2. 3, 4, 5. Ça me coûte 5 hein, quand même. Ça me coûte 5 de faire quoi? Ça me coûte 5, ça fait mal au cul. Tu fais quoi là? Je fais le truc militaire. Ça me coûte 1 pour la pierre qui me manque. Et 1, 2, 3, 4, 5 pour l'argile qui me manque. Du coup, d'ailleurs, ça me coûte 6. Ça fait très très mal au cul. Voilà. Du coup, hop! Wouh! On recule un peu. On est pas mal. Ok. Parce que je rappelle que ce qui n'y arrive ici, j'ai perdu. Voilà, là, j'ai perdu. Là, j'ai pas perdu. Là, j'ai perdu. D'accord. C'est okay. À toi, Kenny. Sachant, toi, cette carte bleue, tu peux aussi la sacrifier pour aller chercher celle qui te donnera 3. Tu peux le faire, si tu le souhaites. Si j'ai les 7 symboles scientifiques, ça fait quoi? Alors, 7, ça fait rien. 6, t'as gagné. Là, si t'as 6, t'as gagné. Point. Si t'as 6 symboles scientifiques différents, t'as gagné. You win. Donc, l'idée, c'est que tu chopes ça. Du coup, tu chopes ça. Ouais, ensuite, tu payes le dieu. J'avais une autre idée. Et du coup... Tu peux choper un autre symbole scientifique si tu veux. Tu peux même aller chercher dans la défausse peut-être le symbole scientifique. C'est exactement ce que je comptais faire. Tu peux faire ça. C'est... En fait, c'est. Vas-y, tente-le.
Il te manque ça, quoi? Ça, j'aime pas trop, mais il ok. Il te manque ça. Ah non, celui-là. Tu l'as. Ça. Il te manque ça, mec. Mec, si tu fais une symbole... Enfin, vraiment, une victoire scientifique, c'est beau jeu. Genre, je t'en voudrais même pas, parce que c'est vraiment beau jeu. J'ai jamais vu quelqu'un gagner en scientifique. En fait, j'ai jamais ces deux possibilités. En gros, je montre aux gens pour qu'ils captent ce qui se passe. Mais... Bah en fait, j'ai gagné. Voilà. Il a 5 symboles différents. Mais j'ai gagné, Max. Non. Si non, j'ai non, une paire, je choisis un truc ici, oui, c'est mais ça. Mais faut que t'aies une paire. T'as pas encore de paire. C'est à moi de jouer, là. Ouais. Bah, je paye 3. J'achète ce dieu. Ok. À toi de jouer. Ok, bien joué. Ok, voilà. Ok. Eh oui, d'accord. C'est pour ça que les dieux sont super intéressants. C'est que le fait que j'ai okay, acheté un dieu, j'ai pas pris cette carte et du coup je ne te donne pas cette carte. Je comprends. C'est bien joué. C'est bien joué. Puisque c'était ma seule manière de m'en sortir. Ok, hein. J'avais pas pensé à ça. Heureusement qu'il me restait ce dieu. Ce que je me disais depuis tout à l'heure, alors attends, on va prendre ça du coup. Et sinon, t'avais 100% gagné. Bah oui, en fait, c'est ce que je me disais depuis tout à l'heure. Je me dis, mais attends, mais pourquoi Max joue encore en fait? Je comprenais pas en fait. Je me disais, mais what the fuck. Ok, vas-y. Ok, évidemment, je vais pas me toucher avec ça. Putain, j'aurais gagné si j'avais fait ça. Et quel dommage, Madame Chombier. Alors, est-ce que je le construis? Je pourrais, puisque je peux l'avoir gratuitement, cette carte. Donc je vais la construire, c'est cadeau. Voilà. C'est à toi. Point de victoire pour toi? Ouais, point de victoire que je vais mettre ici, que j'ai gratuitement. Non, ça me coûte 2. Voilà. T'as raison, nous bah moi, sommes je vraiment contents. Merci à toi, The Brooded Guy. Merci à toi. Je vais payer 8. Ouais. Je vais construire ce truc militaire. Et tu vas avancer de 3. 1, 2, 3. On est au centre. Au milieu. Exact. Voilà. Du coup, moi, je vais prendre ça. Symbole scientifique. Pour 2. Et tu gagnes. Et je gagne. Je te l'ai laissé, t'inquiète. Bon jeu. Hop. Je l'ai laissé alors que j'avais pas le choix. J'étais baisé. Bien joué à toi, Tawin, mec. 6. Scientifique. Bien joué, mec. Mec, tu as les 6 symboles différents. Cette game était incroyable. C'était une belle game parce qu'en plus, moi à la fin, j'avais ça gratos. Oui, donc je m'en battais les couilles et en point de victoire, je t'avais éclaté l'argent. Mais c'est ça, là, c'est bon, ça. Mec, c'est beau. Ça s'est joué à la dernière carte. Il y avait du suspense. C'était une belle game. C'était une belle game de Seven Wonders Duel, mec. Énorme. C'était une belle game. Énorme. Nous avons les 6 points scientifiques pour ceux qui n'ont pas compris. On a tous les points scientifiques. Du coup, nous avons gagné. Max et moi, nous n'avons tout donné. Mais putain, j'ai eu la pression et Max aussi jusqu'à la fin. Mec, c'était beau. C'était une putain de game. C'était beau. Une putain de game. C'était ultra beau. Énorme. Du coup, tout de suite, les amis, pour la création. Je vais pas de laisser, il a juste gagné, il m'a roulé dessus. Ça s'appelle Seven Wonders Duel, Seven Wonders Duel Panthéon, c'est l'extension, c'est sorti il y a un mois. Enfin.